balandia Congo Live Télévision de partout boko landa biso bozui et intention ya kolanda biso na ngunga oyo to kosolo la mai matali politique et matali sécurité na République démocratique du Congo mbote na bino na confesse oyo bino boko sala kabiso ya ngoto kozongisela kabino mosala ya qualité pour nous permettre bino bozala informé na ba situation nyonso ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo toyebite bozali ebele na bino ba diaspora na France na Belgique bozali ebele bandeko na biso na Canada na États-Unis ebele na Afrique du Sud na Angola. En tout cas, un grand merci à vous na confiance boko sala biso na Est République démocratique du Congo na Kolwezi na Lubumbashi partout boko landa biso na Kinshasa awa la capitale. Un grand merci à vous les ezali mama na likambo to kosolola ezali bongo kotala na la mesure du possible nini ba voix ezali kosala levé quant à la situation politique na Est République démocratique du Congo to moni bongo Kigali azui et à l'appui il y a ma force au outil na Pologne mais République démocratique du Congo puisque que tous une ba appui il y a force au outil en Afrique du Sud 2900 plus ba Wazalendo plus ba FARDC. Est-ce qu'il faut pas déclarer directement la guerre na Rwanda pour que Kimia ezonga na République démocratique du Congo et bongo tokotala est-ce mosala oyo Augustin Kabuya azali na yango comme informateur ba partenaire oyo ya ko identifier est-ce que ba ko faciliter chef de l'état mosala pour la deuxième mandat oyo population ACP là comment on a été Kimia kolia malamu pe via ba congolais et ba ko changer na ibongo na mona mboka et a eu acteur politique monene na kati ya République démocratique du Congo ya ko défendre pe ya ko bundela cause ya Est République démocratique du Congo pour que Kimia ezonga ezali penza soda wazalendo ezali bongo mwana mboka honorable céleste et moko ko se présenter malamu pour que to ba ko soya na ye et bongo ko se présenter pe na bino fidèle téléspectateur ya Congo Live Télévision mwana mboka mbote nayo mbote mingi ndeko Olivier. On a bien dit et ceux qui sont en train de nous suivre vont se poser des questions. Moi, je suis en caméra pour la Baïba Kolandayo. Kombolanga, Céleste Bessingi, Naza, moi, je suis en Outina Est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Goma. Et puis, Nazala qui est candidat député provincial pour la ville de Goma, mais tous ceux qui siègent ou en athée. Si Bitumba ezo continue to obundati to se rassurer que to sungi mokonzi ya mboka ya komona polele makambo ndenge eza koleka na Est République démocratique du Congo. Na bandi ete elongo na yo to kosolola makambo etali sécurité na Est République démocratique du Congo parce que ozali moko oyo akopalpe du doigt réalité ezali koleka na Est République démocratique du Congo lokola tozwi bwe to kosolola na mwa bakestio bakongole bakotunaka biso na bakomantere bakokomelaka biso na bamessage mituna wana nyonso ekozwa kameme biyano na yango epai ya mwana mboka Céleste oazali na elongo na biso mwana mboka ntango ekotala situation sécuritaire avant que tokota na ba thématique énoncée analyse nini okosala na scène et situation politique et même scène sécuritaire na Est République démocratique du Congo. Bien, merci beaucoup Olivier. Na makambo nyonso ezoleka na Est ezo pesa interpellation ezo pesa leçon pour na biso ba congolais to comprendre na monde nini o biso toza nango eza likambo moko eza nango makasi te mais kasi ezo senga nde sériosité de la part d'abord ya ba oyo bazali ko konza mboka ezo senga pe prise de conscience ya ensemble ya peuple congolais tout à fait poto yeba esika nini to uti esika nini tozali pe esika nini tozokende na bandi ete esika nini to uti esika nini tozali pe place nini tozali kokende mona mboka Est République démocratique du Congo mi théâtre atrocité et rapport parce que les rapports depuis 2015 ou 2013 comme ça bah tiki la mission rapport à 12 millions et bah tout le bazali koukoufa na Est mais jusqu'à présent tout le comptabilisant tout le qui déjà aussi 20 millions jusque là situation à Est République démocratique du Congo bah congolais bazali na Est République démocratique du Congo bah kozwa kimia mukoloni ni mwana mboka bah kozwa kimia mukoloni ni eza pas mingi comme on a par exemple tozana ba konzi ya mboka oyo ba yebi que tozana bitumba na Est mais na comportement na bango na attitude na bango
bazo extérioriser te batu oyo baza na kati ya pasi. Toza na ba zone na kati ya République démocratique du Congo oyo eza occupé, eza sous occupation ba population bazo lela, mususu bazo kufa ebele, mais na kati ya attitude surtout particulièrement ya ba leader oyo bauti na est ya Congo, ozo mona te que mutu oyo aza préoccupé na situation ezo leka kuna pa na biso parce que eza na batu oyo basali na Mobutu, basali na président Laurent Désiré Kabila, basali na président Joseph Kabila, bazo sala pe lisusu na président Antoine Félix Tshisekedi. Batu wana bayebi likambo ndenge bandaki tina ndenge tokomi nango sikoyo. Bakoki pe kopesa ba solution kasi baza etouffé na na richesse oyo bazo zwa sima ya liwa ya ba ndeko na biso baza na est. Sima ya bitumba oyo eza na bato ebele bazo profiter balingi pe situation wana ezala kaka ndenge wana, mais en réalité biso population tosi totelemi tokopesa pe bango lisusu chance te. Comme on attend rien de ce genre de leader, on va se battre seul pour nous sortir de cette situation. Donc on a eu les alités comme il m'a pété dans ma leader oyo bazali en place les loyo parce que bako luka ba intérêt na bango même moi na mboka tantôt comme on a Rwanda les alités mboka moko moke Paul Kagame président moko oyo le c'est Congo na mboka na monene na ngwe telini mais Rwanda les alités étouffé. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui na ba congolais tout na République démocratique du Congo pour terminer cette guerre d'agression à est de la République démocratique du Congo? Bien, tous les gens qui sont en Rwanda, il faut que tu aies un peu. Il faut que tu aies un peu. Tous les gens qui sont en Rwanda, ils ont beaucoup de gens qui sont en Rwanda et qui sont face à la République démocratique du Congo. Si ma Rwanda, ils ont un peu de gens qui sont en Rwanda, ils ont un peu de gens qui sont en camarade. Justement parce que dans la gestion de la République, toza na sériosité te tomeni yango ti na niveau ya diplomatie na biso tozo koka ko identifier ba camarade na biso te ba américain baza ba camarade na biso te. Soki tolingi tosala ba alliance na ba mboka, il faut tozala capable ya ko identifier banani baza balinga na biso, banani balingaka biso, banani balingaka biso te, banani oyo tokoki ko traiter na bango 50-50, banani oyo balingaka ko traiter na République démocratique du Congo ba mona biso toza ba sous-homme, ba mona biso toza sous-république, bazo pesa biso considération biso te oyebi na kati ya relation so tozo pesa moninga respecté, ne t'attends pas à ce que y a pesa yo respect biso considération tozala nango na États-Unis yango te considération bango baza nango et pas na biso. C'est comme ça que tu peux voir aujourd'hui ils sont en train d'appuyer le Rwanda parce que ils savent que Nanzela ya Rwanda bakoki kozwa nyonso oyo eza na kati ya République démocratique du Congo na policier na bango Paul Kagame. Paul Kagame c'est juste un policier utilisé par les États-Unis. Et donc nous devons comprendre que notre cible c'est pas vraiment le Rwanda, mais nous devons savoir comment nous attaquer à des partenaires qui nous font croire que bazana biso pourtant bazo chuba biso melina mukuru tomoni ba partenaire ngo ka rozali ko beta li solo Polone president Duda atini na Kigali alumike ngai na ko soutenir yo Paul Kagame na zungu pesa yo aba ba armena ba sunisi ba Sudan na minduki tomoni ke ba solo pe ba ye o ba koma ki d'abord 500 o ba koma ki na Kigali. Si nous avons ma pose avant mon face à la situation, on a l'objet qui est de protéger la République démocratique du Congo. 2900 dans la République démocratique du Congo. Dans l'Est, on a tous les gens qui ont été FARDC, tous les gens qui ont été 2900 dans la fin du Sud, ça n'est que les amis. Mais nous, on a est-ce que nous militarisons tout le monde en moto? Est-ce que nous avons été engagés en guerre dans la Mokambo ici? Oyebi République démocratique du Congo et pesa kilo na bamboka embele. Polonye eza na poani na kati ya communauté internationale. Rwanda oyo tozolo bake tozana mo bitumba eza na poani na kati ya Conseil des Nations par rapport à République démocratique du Congo. Ba Polonye wana eza ba biloko moko ya mike mike bazo sala ba théâtre na ba aventure. Mais problème na biso ezali parce que to réagissaka. Donc to anticipaka makambu te mais le ce qui Rwanda sali bon biso peto sali bon par rapport à au Rwanda sali ce qui va le dire
M23, on a même des réagir dans ma campagne. Donc, tout ça a planté, tout ça a programmé, a bisoté au lobby. Attends, on doit provoquer bisot. Tout ça a programmé, a bisoté au lobby, tout ça a. Sur le plan sécurité, ça a ma campagne, c'est une élite, tout ça a. Et ça a action, c'est une élite opposée, vous voyez. Roi la Bobo Sarate, la Pologne, 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 la Rwanda. Même s'il faut pas compter dans la République démocratique du Congo, bah, il y a une géographie à la République démocratique du Congo. Par contre, les Oisalens, ceux qui ont tiré dans la ma condition à bien, les femmes de ces bannes à la recrute qui n'a pas de Goma, dans le Kivu, bah, il y a une géographie à la Bango. Il est question de tirer dans la carte à ma condition à ma langue à Kobunda, bah, toi, là, bah, Kokima. Bitumba, ou même les Pemingi. Mais toi, il dit que, exactement, prise au sérieux de la niveau où on est en Katia Moka, la mission pour tous. Là, c'est pour expliquer la situation. Oyo, et il peut là-bas, Oyo, la communication de l'Obiki, et là, il y a un bande de Bassousso, la même Katia Est, et là, il faut favoriser. Notamment, il y a ceux qui s'appellent les Hutus Congolais, il y a ceux qui s'appellent les Banyamulenge, ce sont les mêmes peuples Oyo, ceux qui ont des problèmes, ça passe par eux. Est-ce qu'ils sont vraiment réellement des Congolais, mon Amboka? Bon, débat wana eza débat moko très profond oyo atant to beli ango lelo mais solution nango il faut tous ango à long terme. So que za na mutu aponi République démocratique du Congo pour lokola mboka na ye. Ami pesa asale la Congo. Ozala utu, ozala tutsi, ozala muluba, ozala mukongo, ozala soki muta utu wapi, mais tu te dis moi j'appartiens à la République démocratique du Congo. Sale la Congo. Et non, tu as besoin d'une et ça, tu la biface. Mais là, tu as besoin qui mokonzi na mboka Congo. L'autre, tu as besoin d'une mokonzi na Rwanda. Mais finalement, tu as besoin d'une autre Congolais, tu as besoin Rwanda. Les Kamwana et les Kakala, les Kamwana et les lobby. Il nous appartient à nous, les Congolais, d'ouvrir les yeux et de bien regarder, d'imposer à ce que. Batouba Zalana respect la boka ou la République démocratique du Congo. Là, la coquille qui est saillot que Nandenga toujours sur le bas, Boleka à Sikoye. Et ça, la Rwanda, à Zokati, sa Sikoye, la frontière, la Gomawana. Et puis, à Yaza, la carte de l'État, la MET, la Yemi Yaza Rwanda, et ça cachette. Et puis, avec sa carte de l'État, la MET, il y a ça Congolais. Azulia Mouléni. C'est pourquoi, la lobby, il faut tout ça l'attention, tout Fungolani soubien. Tout petit collègue, ça. 18 ans, il y a règne, il y a régime Oyo, et ça là qui va encore rébellé, comme en 2001-2018. Mais au moment là, essentiel est encore Rwanda. Et Zakaka, Kokotisa, Batunakatia, armée, Kokotisa, Batunakatia, assemblée, Kokotisa, Batunakatia, gouvernement, Kokotisa, Batunakatia, il y a fonction publique, mais identité à Batouana. Et ça a connu bien tôt. Donc, on a passé des accords qui ont facilité l'infiltration de toutes les institutions nationales. Donc, dans le régime de Kabila, il n'était qu'à Kimboka. Bon, alors, le régime est régné depuis 2001. Tu c'est le régime à Kabila. Ça libre accord. Toi-même, tu sais que pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui, c'est le fruit des différents accords qui ont été signés par le régime du président Joseph Kabila, avec ceux-là, entre guillemets, qu'on appelait les rebelles. En son temps, Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas signer ce genre d'accord. Il ne pouvait pas se mettre sur une table pour faire un monstre de 1 plus 4. Jamais. Ça ne pouvait pas arriver avec Laurent Désiré Kabila. Mais ce qui nous conduit dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est l'infiltration des systèmes de sécurité congolais, c'est l'infiltration dans toutes les institutions nationales. Je te dis, il n'y a aucun secteur de la vie publique Oyo et ça a infiltré dans la Katia démocratique du Congo. Alors, si ce travail a été fait pendant 18 ans, il nous appartient à nous de prendre également le temps de nous asseoir et de dénicher une à une personne qui ne travaille pas pour la République démocratique du Congo. Et pour ton information, même au niveau international, le Rwanda a des personnes qui représentent la République démocratique du Congo. Tu as quelqu'un à une instance internationale qui se présente au nom de Congolais, mais en réalité, il vient du Rwanda.
Donc, ne soyez pas surpris que nous soyons en train de vivre ce que nous sommes en train de traverser maintenant. C'est à nous de prendre confiance. J'aime le travail que le président de la République est en train de faire. Dans notre armée, chaque jour, on est en train de nous reconstituer, mais il y a encore un grand travail à faire. Si tu vois, aujourd'hui, on est en train de penser aux questions de peine de mort, de peine capitale. C'est pas pour rien. C'est parce qu'au niveau du sommet des FARDC, on a constaté évidemment qu'il y a une très forte trahison. Et ce n'est pas seulement dans les FARDC, dans la classe politique congolaise, dans le gouvernement congolais, dans les assemblées nationales et provinciales, dans le Sénat, dans tous les secteurs de la vie, il y a des infiltrés qui sont là-dedans. Et c'est à nous de faire ce travail-là pour que ces gens-là puissent commencer de même à fuir. Voilà, parce que Tomoni déjà été parlé des questions d'infiltration, Redoc et Anor qui vous arrêtez. Tomoni, il y a quand même celui qui était à côté de Paul et de Corneille Nanga. Vous arrêtez quand même l'arrestation et connu-moi en cascade. Les noms, est-ce que situation il y a Est la République démocratique du Congo? Il faut dire que il faut faire la guerre ou soit continuer la diplomatie. Bien, je crois que na Bitumba, il y a un gros moko sur le plan, sur le front militaire, Togobi Koti Kamboté. Nous appuyons le président de la République dans sa position de ne pas négocier avec les terroristes. Mmh. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mmh. Nous devons continuer le front militaire. Mais à cela doit s'ajouter le front politique dans lequel est engagé le président de la République, ainsi que le front diplomatique. Mmh. Donc, il faut que tous les politiciens, les politiciens, j'ai parlé des personnes qui ont été là depuis Mobutu. Mmh. Ils ont été là avec Laurent Désiré Kabila. Ont été là avec le président Joseph Kabila. Mmh. Ces personnes sont là avec Félix Tshisekedi. Mais quel est le bilan? Qu'est-ce que ces gens ont pu apporter dans la scène politique congolaise? Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour aider le chef de l'État dans les 5 années passées à résoudre les problèmes de l'Est? Absolument rien. Et je puis vous rassurer, le chef de l'État ne peut rien attendre de ces gens-là parce que même la population n'est pas avec ce genre de personnes. Mais état de siège dans l'Est, la République démocratique du Congo, et réussir tout et Simbi Nangote. Bon, on ne peut pas se prononcer en faveur ou contre l'état de siège à l'heure actuelle à l'Est de la République démocratique du Congo parce que les fruits que l'on attendait vraiment n'ont pas été immédiats. Mais il y a quand même des retombées de cette mesure-là de l'état de siège. Pour le moment, je ne sais pas si ça vaut ou pas la peine de continuer avec ce système d'état de siège. Déjà, le chef de l'État avait demandé à ce qu'on puisse installer les maires et les bourgmestres et que l'on laisse les gouverneurs militaires. Cette mesure-là n'est pas d'application jusqu'à présent. Mais en réalité, si on devait laisser les militaires continuer à faire leur travail au niveau du fonds militaire et laisser les bons politiques gérer la gestion de la République démocratique du Congo sur le plan administratif, ce n'est pas mal. Mais il faut trouver des bonnes personnes. Par exemple, vous avez un gouverneur qui ne comprend pas qu'il dirige la province du Nord Kivu et que la province a la taille plus grande que le Rwanda. Il se comporte comme un petit homme. Je ne parle pas des individus, mais je parle des institutions. Non, avant lui, il y avait des gens. Et après lui, il y aura des gens. Donc, j'ai dit que l'esprit de la personne qui dirige une province comme le Nord Kivu doit être plus grand que l'esprit de quelqu'un qui dirige le Rwanda. Quand tu diriges la province du Nord Kivu, tu es plus grand que Kagame. Tu dois le savoir dans ton esprit et tu dois te comporter en tant que tel dans la situation que nous avons là-bas. À un moment donné, on ne pouvait pas avoir besoin de Kinshasa pour résoudre le problème de l'Est, de la République démocratique du Congo. Il est question d'avoir des gens qui savent prendre de bonnes décisions et qui savent poser des actes.
et des actions qui peuvent apporter des bons résultats au président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut rompre la relation avec les États-Unis, la France, Londres et saisir la main à Russie, à la Chine, et à l'Italie, biso? Est-ce que tous les États-Unis ont une relation? Biso n'est pas que tous les relation à Bango. États-Unis ont une relation à Rwanda. Ils ont une relation à Bissoté. Au moins, attendre à la relation humaine. Tu peux avoir une femme, mais tu ne l'aimes pas. Elle pense que toi, tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. C'est la même chose que nous avons comme relation avec les États-Unis. Nous pensons que les Américains, ce sont nos amis. Ce ne sont pas nos amis. Du reste, en politique, c'est les intérêts qui comptent. Les États-Unis tirent leurs intérêts ailleurs. Et les intérêts qu'ils tirent en République démocratique du Congo, c'est à travers le Rwanda. Donc, par partenariat, on est tous ensemble aux États-Unis et ça bénéficie pour le Congo. Et par conséquent, ces relations-là n'existent pas. Donc, on ne peut pas parler de rompre des relations qui n'existent pas. Les Américains n'ont pas de relations avec nous. C'est nous qui voulons nous attacher aux Américains. Mais ils ne sont pas avec nous. Est-ce qu'il faut saisir la main à Yarisina et à la Chine? Bon, en tout cas, moi, je crois que même dans le temps passé, ce qu'on a dit dans l'histoire, Batou Basalisaki assassinat ya président Laurent Désiré Kabila toyebi bango. Batou pe bazana plan ya ko déstabiliser président Antoine Félix Tshisekedi toyebi bango. Ezo senga biso peuple congolais to fungola biso. Basali na nzambe, ba bonde na makasi. Parce que personne ne veut le bonheur de la République démocratique du Congo et il est question que les Congolais se prennent en charge. Nous allons rendre Désiré Kabila Bandai Koloba. Organisez-vous, prenez-vous en charge. Ces paroles-là, il faut les prendre avec beaucoup de considération. Et chaque Congolais doit être conscient que nous n'avons pas d'amis. Nous devons travailler seuls pour sortir la République démocratique du Congo de ses difficultés. Est-ce que les partenaires qui seront identifiés pour les permettre au chef de l'État, Salamou Salamalam, un deuxième mandat? Oui. Et sa responsabilité, mon aîné, papa Augustin Kabuya, Azui, ezo sengaye penza boanya, ezo sengaye penza beaucoup de sérieuxité, eza moussala ebele oya kozala nango parce que lobby gouvernement oya kozala mise en place, yangonde kozala que chef de l'État apesa e matondo, to chef de l'État a regretté. Donc ezo sengaye afungola misuma kasi potoye ba esika tozo kende gouvernement oya kobima. Est-ce que le gouvernement Oyo et que ça sa population abissou? Est-ce que le gouvernement passait de ses voix population? Parce que jusque-là, l'Assemblée nationale a validé le pouvoir à Pessi, le 8 jours, le lot est déjà 4e, le 3e jour, le mot de démission à Zalité. De manière générale, toko, comment on dit, toko évalué le gouvernement, il y a la République démocratique du Congo, mais individuellement, il y a des personnes qui ont pu faire du travail. Mais si on doit prendre. Le travail du gouvernement n'a pas apporté gain de cause à la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi on estime même que le mandat passé du chef de l'État n'a pas été fructueux et nous attendons beaucoup de choses du chef de l'État pour son deuxième mandat. Pour ce deuxième mandat, mon amboka, caméra na yangoyo, et message na yo na population congolaise. Merci beaucoup, Olivier. Nazo senga congolais nyonso a fungola mayele a mon apé musika. Bitumba oto za nango na est yango nde ezali thermomètre ya liboso po toyeba esika nini tozokende lobi. Si nous ne sommes pas capables de nous battre pour terminer la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, je dois vous rassurer que pour le moment, il y a des ennemis qui sont en train de travailler en profondeur pour vouloir nous diviser. Je remercie beaucoup la solidarité que la population de l'Ouest a pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est ça qui nous garde encore à l'unité aujourd'hui. Nalingi Mutunyoso, Nakatia ville à Kinshasa particulièrement, Bakonzi Nyoso ya Mboka, chef ya ba confession religieuse, Bastali Nanzambe, Mutunyoso a conscience que Toza Nakatia Bitumba. Et ça normal, ba Frigas, ba Sud-Africain, ba Tanzanien, ba Burundais, ba Touébele, o baza ko outa ba Mboka, bisika, ba Zoya ko sali sabiso. Mais Bakuta Biso Makatia Mboka, nous ne sommes pas conscients de la situation que nous sommes en train de vivre chaque jour. C'est pourquoi
il faut te porter et longi yabatu o bazana katia bitumba. On ne peut pas être dans un pays où une zone est occupée, tous organisés par kermesse, tous en katia par divertissement, katia par boîte de nuit, tu vas dans des boîtes de nuit, tu trouves que c'est là où toutes les autorités de la République ont choisi comme refuge, alors que batu bazo kufa na Bunagana, batu bazo kufa na Rutshuru, batu bazo kufa na Masisi, bazalendu baza kozanga bibumeli. Tous au sein de la conscience. Na niveau national, nous n'avons soyez pas que Oyo, na période Oyo na kokiko sala, Oyo, na période Oyo na kokiko sala, mote po mboka, eza la katia bitumba. Peuple, nous sommes qui ont eu conscience, à Tanzambe na Nikolo, ayoka à cause na bangope, à koko de la vie. Merci beaucoup, Oumana Mboka, honorable Céleste. Na bandi été invitation au Topesa Kiyo, honoré Bissou, un grand merci à vous. Et grand merci aussi à tous nos téléspectateurs. Oumana Mboka, na Bissou, à ce net moment. Rendez-vous, ils allaient déjà pris à la Congolaise Télévision pour continuer pour ça, la Bissou. Confiance, Nenegaga, au Salah Bissou, depuis Bissou, à la Congolaise Télévision, à la coutume, ouais, aussi, les émissions. Vous y sentez, on a moi, Songi Songi. Songi Songi, honorable Céleste, la bandit était. Sous le coupé de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, par affaire, président Antoine Félix Tshisekedi, que nous avons fait la gestion de la province de Nord Kivu, de la République démocratique du Congo. Et c'est aussi le salut de moi. Vous avez un plan malam yago sala na extérieur. Biso toza ba to koli to fandiona to bungisi baboti to bungisi bandeko to yebi nini za sima na kambozo le kana extérieur démocratique. Oza la mesure ya ko kanga kagame. Kagame za objectif na ngai te. Eza kutu pasta eza pe distraction. On n'a pas affaire à Kagame. On a affaire dans notre pays pour amener la paix. Au côté na na COP te ba minéré na est ce que vous avez oyebi ba tout ba côté na COP wana ya minéré ba souka wapi ils n'ont pas eu gain de cause mais ezala ba tout ba perdre vie na bango po ete biso tozala ninge toza boye na mwa kimia na mboka o ezana 2,345,000 km², c'est ça la dignité des hommes. Merci beaucoup, le reste c'est des détails.